Alors, un questeur au sein du CESE, d'abord, c'est d'abord un membre du bureau. Hein, donc, il fait partie de l'instance dirigeante qui régulièrement va prendre les décisions sur les choix politiques que va faire le CESE, sur les sujets dont il souhaite se saisir, sur la manière dont il fait fonctionner les formations de travail, etc. etc. Et être en plus questeur, c'est avoir, en plus de cette responsabilité-là, la responsabilité d'avoir un regard, d'avoir une interrogation, d'avoir une inflexion dans les décisions qui peuvent être prises sur la façon, sur l'organisation interne de la maison, sur les choix budgétaires qui y sont faits. C'est donc en plus avoir cette responsabilité d'être présent dans les décisions concrètes. J'étais préalablement trésorier de la Confédération CFDT et je vois bien un rapport entre les deux missions, c'est-à-dire faire en sorte que les questionnements politiques sur l'organisation fonctionnelle du CESE soient bien posés. C'est la responsabilité, je crois, des questeurs ou questrices dans le cadre du CESE.